Ouais, ça, je suis pas trop fan de ça. Même si je mets des poutres en treillis pour enlever les poteaux, je suis pas trop fan. J'aurais préféré un seul poteau, quoi, un mât. Putain, fais chier. Ok, bonne soirée, bonne nuit à toi. Anna plus. Merci. Bon, là, j'utilise ma deuxième grille. Avec ma deuxième grille, je peux faire un poteau en plus centré. Ok. Mais le problème, c'est que j'ai un décrochage sale. Décrochage sale que je peux régler en enlevant le poteau, mais ça règle pas le problème. Et faire un grand carré, ça me fait chier. Oui, surtout Son of the Forest, et encore j'ai la console, j'ai de la chance. Et quand je fais 7 heures de live tous les samedis et 40 heures semaine de taf, c'est dur. Et puis ça fait mal à la tête de réfléchir. Je sais pas comment faire ce map, putain. Faut que je trouve une idée, faut que je trouve un truc. Réfléchisse encore. Ça ferait une voile bizarre en fait. Mais j'imagine le délire où t'as des voiles là. T'aurais des voiles là et la voile là. C'est possible ça? Merci Chrome. Voile de bateau pirate, je sais pas, donne-moi un truc, une idée. Oh là là, compliqué. Oh, c'est compliqué de fou. Y a pas une espèce de mini voile derrière les voiles des fois? Ça arrive pas ça? Ah ouais, mais là c'est des dingueries les bateaux que je vois aussi, ils ont des voiles de fou. J'y comprends rien. Il y a tout sorte de voile, il y a tout type de voile, j'y comprends rien. Je sais pas. Je vois bien moi une voile. Toi le carré comme ça, tata, tu vois. Comme ça là, tata. Mais avec un bout de voile là, non. Après j'ai pas le choix, je suis obligé de le laisser cette merde. C'est aussi pour ça que ça me fait chier. Tu veux pas bugger le jeu? Tu sais, quand tu fais des poteaux qui s'enlèvent en bas mais qui s'enlèvent pas au-dessus, tu te veux pas bugger? Ça te dit pas de bugger là? Comment on fait bugger? Vas-y. Fais des poteaux qui sont l'un sur l'autre là. Fais je sais pas moi. Viens. Si j'enlève ça. Non, mais si je le casse, tu fais tout tomber. Là, logique. Là, je peux enlever le poteau là. Waouh, mais c'est moche. C'est très moche. Puis en plus, il y a le truc en bas là que je peux pas enlever. Là. Ça fait quoi si je fais ça? Mais non, on peut faire ça maintenant? Oh, c'est stylé! Ah ouais, ça pourrait cacher la misère du bas déjà. Ah, c'est random? Ah, super, encore une mécanique RNG. J'adore. Donc la voile pointe vers l'avant. Waouh! Ouais, mais j'ai pas envie d'une voile de voilier dans la longueur du bateau. Je voulais une voile sur la largeur du bateau. J'en voulais deux, parce qu'il y en a un là et un mât ici, là, par là, je crois.
Mais ouais, je vois qu'il y a des bateaux avec une voile en pointe et une voile côté. Enfin, j'y comprends. Oui, je ferai un dommage déjà, ça c'est sûr. Il y aura une voile plus haute et plus grande que l'autre. Mais j'ai vraiment du mal à trouver quoi mettre déjà. Parce que des barrières et des pots, ça a l'air long et chiant. Mettre des bâches, c'est pas beau. Oh, puis j'ai même pas fini ici là. Fais une sauvegarde un peu. Avant que je prenne une bombe et que je fasse tout péter. Une fusée. Oui, j'y connais rien en espace non plus, mais je me verrais bien faire une fusée, tiens. Ou un vaisseau spatial. Tous les trucs que je connais pas, tous les trucs, c'est pas mon domaine, tu vois. Parce que le bateau, tout ce qui est naval, c'est pas mon domaine du tout. Je me suis lancé là-dedans parce que des gens qui montraient des bateaux sur The Forest. Je me suis dit que j'allais en faire un sur Sons of the Forest. Ben, je le regrette un peu. Mais ça va encore. Ah oui, puis t'as pas vu l'intérieur tout à l'heure. C'est pas fini, il faut que je fasse des murs comme ça tout le long. Mais voilà quoi, c'est le chaos. Tiens, bah là je peux fermer le mur. J'ai fini ici. Après, j'ai fait ce que j'ai pu avec des carrés. Hein. Je demande de faire un bateau avec des carrés. Le mec il te fait un bateau comme dans Minecraft quoi. Il fait des carrés. Il te fait une coque en escalier et tout. Mais, c'est pas un truc en travers. Avec le lit qui restera là. Alors là, il faut que je monte le plancher. Donc il faut un poteau. 2, 3. Quart. Merci. Voilà. Poteau là, non, c'est bon. C'est rigolo, on rigole toujours. T'as toujours un petit truc. Il y a toujours un truc qui va pas. Là-bas, ça fonctionne, mais là, non. Alors, je vais te la faire à l'envers. Comme d'habitude, vas-y coupe. Il est franchement con. 1, 2 et 3. Je te l'ai fait à l'envers. Encore une fois. Insupportable. C'est bon, tu me baises plus maintenant. C'est moi qui t'ai développé. Je connais tes mécaniques par cœur. Tu ne me baiseras plus. Je mange pas tous les midis avec l'équipe de développeurs pour rien. Hein. On parle, on discute, on parle de toi, je. On dit que ce bug il est marrant, mais il est corrigeable avec cette technique. Et voilà, c'est tout. J'aimerais pas vivre au Canada, franchement. Déjà ici, on a tapé un peu de gel, il caille sa mère. Mais c'est vrai que manger tous les midis avec les développeurs de chez Night Games, ce serait tellement cool. Oh. Ce serait tellement cool de bosser pour eux. Quoi. Mais il fait froid là-bas, sa mère. C'est mort. Et il a cassé les couilles, pas dit à dire, ouais, peut pas mettre le poteau. Ouais, t'inquiète, on va le mettre le poteau. On trouvera une strat. Tiens, bah tu vois, regarde, quand tu veux. C'est pas le bon poteau. C'est pas grave. On va faire ça progressivement parce que ça risque d'être compliqué. Faut une 3, faut une 3, c'est pas grave, on va prendre. Faut une 3, je préfère une 3. Comme ça marche pas et je mettrai un quart. Ok, ça fonctionne.
Voilà, ça c'est facile. Ici, un trou. Je vais faire comment pour le boucher? Par ici. Ok, tout va bien. La suite. Du coup, la suite, faut que je me prenne ce poteau-là qui va avec ce poteau-là. Non, même pas. C'est pas celui-là. C'est le poteau de quoi, ça? Oh là là, c'est un bordel. C'est le poteau de quoi, ça? J'y comprends plus rien. Ah! Intéressant, ça c'est le poteau qui va avec la suite qui est ici. Attends, je vais devoir accrocher ces plateformes là. Que j'ai, hein, que je me suis fait chier à décrocher et tout. Hop! C'est raccroché! Et c'est raccroché! Hop! Et c'est raccroché! Ah, c'est niqué, hein! Ah, si je veux faire un truc cassé, c'est niqué! C'est raccroché! La plateforme elle vole plus, elle est accrochée. Tiens, je me suis fait chier à faire des plateformes volantes, alors j'aurais juste pu faire les murs et c'était réglé quoi. Mais bon, je me suis dit, on sait jamais, j'ai pas envie d'avoir de problème. La mécanique de plateforme volante, je la connais bien. Hop là. Et du coup, tu accroches à ça. Et du coup, faut faire la suite ici. Et là, il y a pas, parce qu'il faut ça. Il faut 3. Hop. Voilà, là, je peux faire un plancher, mais je peux pas faire celui-là. Pour faire celui-là, il me faudrait ce poteau qui est là. Putain de merde. Ok, bah... donne le quart. 1, 2, 3 et 4. Hop. Amuse-toi bien. Oh putain, j'ai... oh là, j'ai chaté ça. Allez, 1, 2 et 3. Et là-bas, faut chater la flèche. Bon, tu m'as saoulé. J'ai pas envie de chater la flèche. Ne chatons pas la flèche, posons-la directement. Voilà, c'est bon. Et là, c'était dans ce sens-là. Oh oui, parce qu'en plus, j'ai fait un damier comme un canard. Et là, bah là, ça part en couille, parce que du coup, nique le damier, voilà. Mais on va faire un damier quand même, voilà. C'est dégueulasse, mais... ah, il aurait fallu faire celle-là dans l'autre sens, en fait, c'est ça. Ah, il veut pas. Fils de pute, là, ça. Il y aura pas de damier, il m'a saoulé. Enfin, il y aura un damier, mais s'il veut pas, il veut pas. Point, c'est tout. Oh, puis ici, c'est compliqué, parce que ici, ici déjà, t'as pas mis la barre. Voilà. Mais là, il y a une barre, là. Et là, tu vas... quelle case? Attends, ouais. Et lui, je veux lui, moi. Je veux l'autre carré. Bah, vas-y, fais ça. Voilà. Mais là, tu fais pareil. Ah. Un poil de cul. Et un poil de cul, et un poil de cul. Ah, j'ai trouvé. Putain, je peux pas tourner la flèche. Bah, c'est pas grave. Tu passeras comme ça. Et là, tu te mets comme ça. Voilà. Et là, tu te mets comme ça. Oh, c'est bien, t'as compris. Hop, hop. J'ai oublié une barre, il va me casser les couilles. Merde, je suis tombé. Voilà, hop.
ouais, c'est dans ce sens-là. Et du coup, là, tu fais dans ce sens-là aussi. Bien, joli ça. Ouais, ça reste comme ça. Ok, là, y a pas la suite. Là, y a pas la suite. Là, j'ai la flemme. Fais une sauvegarde parce que si j'ai la flemme, c'est que ça commence à me saouler. Oh, j'ai envie de retourner sur la numéro 4. Mais bon, le problème, c'est que si je termine pas le bateau avant un mois pour faire des trucs volants, je vais être niqué. Même si potentiellement les mécaniques du truc volant reviendront, j'ai pas envie d'être niqué. Là, en volant, tout ce qui me reste à faire, c'est les deux mâts. Donc, faudrait surtout que je me concentre sur les deux mâts. Mais j'ai aucune putain d'idée de comment faire ces deux mâts. Est-ce que je les fais carrés? Est-ce que je les fais sur poteau comme ça? J'en sais rien et ça m'énerve. Quoi. Ça pourrait donner un style, mais je sais pas comment faire mes voiles en fait. Comme je sais pas comment les faire, je peux même pas tester le style. Mais en gros, je vois, t'as qu'à imaginer des trucs comme ça, des deux côtés, sur la longueur. Au-dessus, hein, pas en dessous. Hein. Il faut d'abord qu'il y ait un poteau. Et puis, tu mets une bâche là. Je sais pas, faire ça à la bâche parce qu'avec la peau, ça a l'air chiant. Parce que là, au moins, ce sera super bien aligné. Après, ouais, c'est vrai qu'une voile toute droite, voilà, mais on est sur un jeu de merde. Et voilà, t'imagines, t'as ça ici, t'as ça au-dessus. Non, tu veux pas. T'as ça ici. Non, tu veux pas. Mets-le là. Non. Non, casse les couilles. Ah, si, de la mie, c'est bon. Hein, t'imagines, il y a ça. Hein. C'est. Je sais pas, putain, je sais pas. J'aime pas. Et puis c'est trop droit. Oh, putain, on peut pas faire de voile. Puis ça aurait fait pareil sur The Forest. J'aurais fait une voile avec des murs verticaux et ça aurait été droit. Donc qu'est-ce que je fais casser les couilles avec la droiture en fin de compte? On s'en bat les couilles. Décrochage qui me dérange. Mais si tu fais juste un mur droit, bâché, c'est moche, ça ressemblera pas à une voile, ça ressemblera à un tas de chiasse. Imagine. Ah putain! Imagine que ça, c'est pas comme ça. La fin de la voile, elle serait. Hop, imagine un truc, hop, on fait un pignon, on s'en bat les couilles. Voilà, et puis là, t'imagines. Hop, ça, et. Hop, ça. Sans cette barre là, imagine que c'est sur un poteau beaucoup plus long. Hein, tac, on verrait pas trop les barres. En fait, cette barre, elle pourrait. Là, elle sert à rien. Ah si, elle tient tout ce qu'il y a au-dessus. Alors que ça aurait dû tenir là-dessus. Mais bon, l'objectif, c'est de faire un poteau, je sais pas moi, long de 3. Oh putain de merde, on peut faire ça. Attends. Comment on obtient ça? Mais il y aura un trou au milieu. Est-ce que je peux le faire en manuel, ça? Il y aura un trou au milieu. Attends, faut que je fasse des trucs. Faut que j'aille sur la zone de test. Faire des trucs de test de voile, là. Parce que ça commence à me péter les couilles. Je sais pas quelle voile mettre.